mes dernières vacances, Philippe de Broca. J'ai dit Philippe de Broca. Merci. Me dis, tu as besoin de changer d'air. Je fais un film Mario, j'ai un rôle pour toi. Je l'homme charmant, distingué, joli garçon. Tout à fait pour moi. Tu me dis, tu pourras te reposer, ça te fera le plus grand bien. Je dis, d'accord. Enfin, un coup de poing. Joli totem. Et me voilà à Rio. Là, je retrouve Françoise d'Orléac, Jean Servais, Simone Renan et quelques amis brésiliens. Et enfin, Philippe de Broca me raconte l'histoire passionnante. Plein de rebondissements, une histoire de trésor indien, de statuettes inca, de fléchettes empoisonnées. Vachement compliqué. Et tout ça sous le ciel enchanteur de la baie de Copacabana. Et voilà comment j'ai commencé à tourner ce qu'ils appellent un film calme. Tranquille, reposant, paisible, serein, gentil, délassant. Et tout ça dans une ambiance de détente, de paix, de sérénité, de relax, de farniente. Bref, un rôle reposant. Alors là, je leur dis, vous m'avez eu, je marche plus, je rentre. Ils me disent non. Je dis bon. D'autant plus qu'ils ajoutent, l'action va se tasser. De vous à moi, si je ne suis pas mort, c'est pas de leur faute. Non, 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 mais regardez ce qu'ils m'ont fait faire. Oh, c'est à voir, je vous jure. Mais qu'est-ce que c'est? Pas maintenant, vers autre chose. Oh là, oh là, oh là, oh! Allez-vous-en? Oh, les vaches! Avec Jean, Paul, Belmondo. C'est moi. Enfin, j'ai passé de bonnes vacances.